Hey, c'est la petite meuf, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Cette journée s'annonce super bien, vous savez pourquoi? Parce que j'ai fini le montage de la vidéo qui va sortir aujourd'hui et je suis trop fière de la vidéo que j'ai faite. Voilà. Sachez que Vincent est arrivé en train à la gare il y a 10-15 minutes de ça déjà et moi je ne suis toujours pas prête, je devais le récupérer, j'ai dit Vincent... Attends-moi. Donc là, je me prépare et on y va. On va récupérer mon petit Alfredo Linguini. Parce que oui, sachez qu'on n'a jamais vu Vincent et Alfredo Linguini ensemble, dans une seule pièce. Donc pour moi, c'est la même personne. Ah, est-ce que vous connaissez ça là? C'est pour avoir des cheveux bouclés. Hier soir, avant de me coucher, même si j'étais très fatiguée, je me suis enroulé les cheveux dans mon petit... Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai enroulé mes cheveux là-dedans. Et normalement aujourd'hui ils vont être bouclés. Bon, j'avais peur mais finalement je trouve ce look assez stylé. Il est bien sympatoche, ça fait un peu style old money. Sachez que je peux mourir pour le style old money, d'accord? Là faut vraiment que je me dépêche, que je me coiffe encore, parce que Vincent va finir par regretter d'être mon ami. Après avoir passé toute une nuit avec ça, je commence par mettre un peu de lac. Attention, 3, 2, 1. Wow. Franchement, ça m'a pris 5 minutes à faire. Il n'y a aucune chaleur et les boucles sont incroyables. Je me demande combien de temps ça va tenir. On verra bien au fil du temps de la journée. Au fil du temps de la journée. Bref. Et voilà, je suis prête. Voilà à quoi ressemble mon look final. Je vous montre ce que je porte et après je me casse parce que je vais me retrouver sans pote. Donc ça c'est le col roulé sans manche que j'ai trouvé sur Shein. Le pantalon vient de Shein aussi. La veste elle vient de chez Bershka. Le petit pull que je porte là derrière... Il vient de chez Kiabi. Et voilà ce que ça donne porté tout ensemble. Et les bottes viennent de chez Stradivarius. J'ai complètement oublié de vous le dire parce que je ne suis pas une bonne youtubeuse. J'oublie la moitié. Vous m'excuserez, je suis encore en pleine phase d'apprentissage. Promis, je vais m'améliorer. Allô? Oui Vincent? J'arrive tout de suite, promis. Regardez qui voilà. Il est tout seul. Oh. Alors, je crois qu'il m'en veut un petit peu. T'inquiète, je suis pas mal garée, tu peux prendre ton temps. Qu'est-ce qu'il y a? 13h38, vous avez 8 minutes de retard. Ça va, je suis déjà filmé à peine que j'arrive. Mais c'est normal, t'es une star. Bon Vincent, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va au McDo. Là on va au McDo, c'est lui qui m'a forcé, sachez que moi j'avais un régime à suivre. Le régime il est parti en couille. Ouais. Et après on va à l'avant-première du film avec Kev Adams parce que le cinéma CGR de Colmar nous a invités là-bas. Et on va demander pour combien de likes on figure dans le prochain film de Kev Adams. Salut, je m'appelle Vincent. C'est parti, on est devant le McDo. T'as 145 points? Oui. Trop bien, je vais pouvoir en profiter. C'est quoi le meilleur là? Bah le meilleur pour moi c'est McChicken, mais il y en a pas là. Si, le McChicken. Ah non, mais ça j'aime pas. T'aimes pas? Mais on peut pas être potes hein. Mais monsieur, vous êtes qui? Frites, coca et deux sauces de luxe. On a reçu notre petit menu. Moi j'ai mon petit coca, mes frites, mon petit McChicken. Frites, coca, McChicken et deux sauces de luxe. Mais finalement c'est moi qui va changer de pote. Envoyez-moi vos candidatures. On a fini de manger le McDo et maintenant on est devant le cinéma de Colmar et on va à l'avant-première de Kev Adams. Let's go. Oh, let's go. Swing a salto, c'est poet. Que te han dado desde el cielo, no, 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 no. Bon bah on va y aller hein. Merci. Salut. Il y a un monde de fou les gars. Je suis pas sûre mais je crois que ça regarde mes TikTok là-bas. Et en train de montrer à sa maman. Elle est sur mon compte. Attends. Est-ce que c'est moi? Oui c'est moi, regarde. Viens voir, je te dis un secret. Hier j'ai vérifié mon compte en banque. Il y avait plus de 600 euros dessus. Ah plus, pas moins. Ouais. Bon bah tant mieux, c'est l'essentiel. Mais tu sais d'où ils viennent? D'où? C'était une erreur que quelqu'un a fait. C'est vrai? Mm-hmm. Qui t'a viré ces sous? En fait, j'étais allée chez une esthéticienne un jour. Elle devait me faire un remboursement. Et elle s'est trompée, elle m'a viré 600 balles.
Et du coup là aujourd'hui elle m'a harcelé pour que j'y rende. Je suis dégoûtée un petit peu mais bon. T'aurais pu en profiter. Partir en vacances. Ouais. Petit week-end aux Seychelles. Vincent. On fait un pierre feuille ciseaux. Et celui qui perd doit prendre le micro et poser une question à Kev Adams. Allez! Ce sera toi qui poseras la question. Non, vas-y, on fait un pierre, feuille, ciseaux. 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 Pierre. Il y a combien? 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. 2-0. Pierre, feuille, ciseaux. Merde. 2-1. Pierre, feuille, ciseaux. 2-2. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est toi qui poses la question. Prépare-toi déjà, tu poses une question. Tu le fais. C'est un challenge. Pour combien de likes tu la prends dans ton prochain film? Non, tu lui poses une question n'importe laquelle. Oui, pour combien de likes tu la prends dans ton prochain film? Ouais, vas-y, chaud, tu lui dis ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est l'agent de sécu de Kev Adams ça? Parce qu'avec lui, je ne bronche pas. Oh, il a envoyé un bisou, je l'ai eu. Il a fait comme ça. C'était mignon. Eh bah salut les amis, merci beaucoup. Yes, yes, je t'ai vu mon frérot, t'es au premier rang, t'inquiète, je t'ai vu. La première étape, on va faire des questions-réponses. Si vous avez des questions, vous avez des réponses. L'idée, c'est pas juste de faire notre petit speech. J'ai pas pris photo avec toi. En fait, on voit pas ton visage avec le flash. Voilà. Ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. Bien, je veux dire, on se connaît après, tout ça va beaucoup trop vite. Avec cette génération, parce que parfois, ça peut même être effrayant. On est arrivé à un stade en France où au vieux et presque lui, il a l'air tout tranquille. Alors que là, c'est de rappeler que justement, c'est pas une insulte, c'est plutôt une promotion. Dans la vie, on a deux choix. Salut Kev, je m'appelle Vincent. Salut Vincent. Tout d'abord, bravo pour ton maison de retraite 1. Merci de la regarder. Et deuxième, on est en train de faire une vidéo TikTok, enfin, la personne à côté de moi. Et petite question, tu la prends combien dans ton prochain film en tant que figurant? Pour combien de likes? J'ai pas compris, je m'excuse. Vidéo TikTok quand Vincent il demande à Kev Adams pour combien de likes il nous prend dans son prochain film, il y a les bugs de Vincent que vous avez pas vu parce que je les ai coupés en montage pour faire un truc assez fluide. Et sauf que j'avais filmé avec la caméra aussi. Et là j'ai tous les bugs. Regardez. Et petite question, tu la prends combien dans ton prochain film en tant que figurant? Tu la prends combien? Je me suis dit quoi? Mais moi j'ai pas compris la question. Attendez, je remets du début. Et petite question, tu la prends combien dans ton prochain film en tant que figurant? J'étais dans l'incompréhension totale. Je me suis dit quoi? Tu la prends combien? Est-ce que je suis à vendre? Question, tu la prends combien dans ton prochain film en tant que figurant? Pour combien de likes? J'ai pas compris, je l'ai. Ah, j'ai mal au ventre! Oh mon dieu! Ah, j'ai mal au. Oh, j'en peux plus. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde est dans l'incompréhension. Genre, elle comprend pas, lui il comprend pas, personne comprend. Même Kev Adams, il a dit excuse-moi, j'ai pas compris. J'adore, franchement c'est trop bien les montages vidéo, j'aime trop. Tu la prends pour combien de likes dans ton prochain film en tant que figurante? Elle est en train de faire une vidéo TikTok. Bah écoute, on va faire un truc accessible, si t'as 1 million de likes. je plaisante évidemment. Mais écoute, tu sais quoi, franchement laissez un CV à Raphaël qui est à côté de vous, qui a coproduit le film. Et avec plaisir, moi je crois qu'il faut pas que ça dépende de likes, je crois qu'il faut que ça dépende de l'envie de chacun. Si vous avez envie de faire de la figuration, que c'est un rêve pour vous, nous on sera ravis de vous accueillir sur un prochain projet. L'idée c'est de partager ça aussi avec le public, donc n'hésitez pas. Et puis si tu fais des likes, c'est trop bien. Et puis si tu fais pas de likes, tu seras invité quand même. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Ah bonjour. Ah comment tu te Si. Ça va? On veut faire une photo? Ouais bien sûr. On va vous faire un petit débrief de la soirée au cinéma. Enfin, de la soirée. De l'après-midi. De l'après-midi au cinéma. Alors franchement, osez faire les choses. Osez parce que vous savez pas jusqu'à où ça peut vous amener. Parfois, c'est dur de faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort. Surtout quand on est entouré par 1000 personnes. Surtout que moi, j'ai grave du mal à parler en public. Bon là, ça va, c'est Vincent qui a parlé. Comment tu t'es senti? Je me suis dit, punaise, pas que je vais bégayer. Et au final, ça allait. Parce que j'ai fait du montage. J'ai coupé ce qui n'allait pas. Une fois que vous élargissez votre zone de confort, bah il n'y a que du bien et que du positif qui vous arrive. Sortez de votre zone de confort, osez faire des nouvelles choses parce que vous êtes en train de semer de l'engrais un peu partout et qui sait, peut-être qu'un jour ça va payer et vous allez finir par réaliser vos rêves. Osez faire les choses. Ne vivez pas pour le regard des gens. Vivez pour vous et faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Même si parfois c'est dur, faites-le. C'est le plus faut important. Faut y aller. Hein. Ouais, faut y aller. Mmh. T'as un truc à dire aux gens?
Oh les tombes d'accrochage de ma bougie. Il faut y aller, hein, j'aime beaucoup. Elle est longue, hein. L'après-midi s'est hyper hyper bien passé, on était grave surpris de la réponse de Kev, agréablement surpris. Là on va un peu se reposer et à 19h on va au Brivant. Brivant, comme je vous ai expliqué avant, c'est une scène ouverte pour des artistes amateurs qui viennent d'Alsace ou même d'ailleurs. Est-ce que tu veux voir mon vlog de ce soir en avant-première? Bien sûr. Trop bien. Tu montes avec quoi? Faire la queue de fou. Prends ton temps si c'est pas... Pendant trop longtemps j'ai laissé la procrastination me priver de mes rêves. Maintenant je lui dis bye bye et bonjour YouTube, je compte bien rester là pendant très longtemps. Bon les gars, on vient d'arriver à l'espace 137. C'est l'ancien poisson rouge pour les colmariens qui connaissent. Et en fait c'est ici que se déroule le Brivant. Le Brivant c'est une fois par mois, c'est tous les derniers mercredis du mois. Du coup c'est Vincent et moi qui sommes en caisse. Donc si un jour vous venez, bah vous nous verrez à la caisse. Et regardez comme ça a changé l'espace 137. À l'intérieur ça ressemble à ça. C'est vraiment une salle de fête tu vois. Il y a Brice et Yvan. En fait c'est les deux créateurs du Brivant. D'où Brivant, Brice et Yvan. Voilà, pour la petite histoire. Hola. Bonjour. Salut. Je viens de poster la vidéo. La vidéo elle est postée. Il est 20h13. La vidéo elle est en ligne et elle est à vous. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas moi je me suis éclatée à la faire. Merci pour vos commentaires. Bon ça y est, je ramène mon petit Alfredo Linguini à la gare. Bonne nuit hein. Bonne nuit, rentre bien. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, je sais pas à quand mais salut. J'ai hâte de voir ce... Je bug comme avec Kev Adams. J'ai hâte de voir ce vlog. Et ben ce sera demain soir à 20h. Quoi? Tu sais pourquoi à 20h? À cause des informations, pour un petit moment de fun. Pourquoi? Bah, c'est presque ça. Ciao. Bisous. Vu que j'ai pas le temps d'aller au spa, je ramène le spa à la maison. Ouh, j'ai fermé les yeux et je me suis cru aux Maldives. Là, j'étais bien. Ah là 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 là, quelle journée incroyable. À chaque fois que dans la journée j'arrive à sortir de ma zone de confort, je me sens bien. Je pense très sincèrement que l'aventure commence là où la zone de confort s'arrête. À l'époque, j'étais la première à faire attention au regard des gens. À chaque fois, je me souciais de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et à partir du moment où je me suis dit, mais tu sais quoi Sylvia, on s'en fout, arrête de regarder sur les gens parce que de toute façon, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, les gens te jugeront toujours. Donc vis pour toi, fais ce que t'as à faire et profite en fait. Venez, on s'en fout du regard des gens, on vit pour nous, on fait ce qui nous plaît. De toute façon, une personne elle va te regarder 5 minutes, une heure après elle t'aura oublié, même pas. De toute façon, dans 100 ans tu seras plus là et tout le monde t'aura oublié. Alors profite parce que ton moment c'est maintenant. Moi je vais me coucher et je vous dis à demain à 20h parce que les vidéos c'est durant toute l'année 2024, tous les soirs à 20h. Donc on se retrouve demain. Gros bisous. Est-ce que t'as regardé mon vlog d'hier? Pourquoi? Je sais même pas que t'as sorti une vidéo hier.